Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Nora et Latifa qui ont été mises en garde à vue pour avoir simplement participé à un rassemblement de solidarité avec Gaza. Bonjour Nora et Latifa. Bonjour. Alors, je le disais tout à l'heure, vous étiez mise en garde à vue pour avoir participé à un rassemblement de solidarité avec Gaza. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement ce dimanche 20 juillet exactement à 16h, place Trocadéro. Le dimanche 20 juillet, j'ai reçu un texto le matin. J'étais devant ma télé quand j'ai vu le massacre qui s'est passé à Chejaïa, la ville de Chejaïa. Et donc, une amie m'envoie le texto pour aller au rassemblement Trocadéro. Donc on y va toutes les deux, le rassemblement était prévu pour 16h. Donc on y va, et quand on arrive, on trouve quelques personnes, et ces quelques personnes, il y avait aussi le camion des RG. Donc on se met avec les personnes qui étaient là. Donc les RG étaient au courant? Les RG étaient au courant, tout à fait, les RG étaient au courant. Il m'est arrivé dans des précédents rassemblements ou manifestations, où lorsque la manifestation était interdite ou le rassemblement, la police est déjà à l'entrée du métro pour nous interdire de se rassembler. Donc moi, j'étais partante, j'étais confiante que ce rassemblement, il allait avoir lieu. Ce rassemblement, c'était justement pour soutenir et dénoncer le génocide qui est en train de se passer sous nos yeux à Gaza, fait par les Israéliens, cette armée criminelle sioniste, qui n'arrête pas de bombarder, de massacrer des centaines de civils. Donc je ne peux pas rester à la maison. Je suis mère, je suis une citoyenne française et je suis en même temps une grand-mère. Je ne peux pas rester insensible à ce qui se passe à Gaza actuellement. Et donc je suis partie pour soutenir ce peuple en détresse. Voilà. Même chose pour vous, Nora. Allez. Oui, pour moi, c'est la même chose. Je me suis rendue sur place, c'était pacifique. Donc voilà, nous étions sur place pour dénoncer les massacres à Gaza. Et la même chose, je suis une maman d'un grand enfant et je ne peux pas rester silencieuse au massacre. Car la douleur, elle est trop forte, trop indescriptible. Et le pire, c'est que ces massacres continuent aux yeux et à l'insu de tous les politiques, notamment en France. Donc, nous, on peut pas cautionner ce silence. On peut pas cautionner ce silence, donc on s'exprime. Donc, vous allez à ce rassemblement, vous participez à ce rassemblement, et à ce moment-là, les forces de l'ordre arrivent et vous sommes de quitter les lieux, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes de quitter les lieux. On ne quitte pas les lieux, bien sûr, parce que pour nous, c'est un rassemblement qui est légal. En France, on a le droit de manifester, on a le droit de dénoncer. Et donc, ils ont commencé à nous encercler. Les forces de police et CRS ont commencé à nous encercler. On ne s'attendait vraiment pas. Moi, franchement, je ne m'attendais vraiment pas à me retrouver en garde à vue. Donc après, on vous envoie en garde à vue, c'est ça? Oui, on nous encercle, on nous interpelle. Voilà. Donc on nous fouille, la palpation par les policiers, par une femme, et ensuite on nous monte dans le car de CRS. Donc à ce moment-là, on nous emmène à la PJ, au 16e arrondissement. Alors, et comment se passe la garde à vue? La garde à vue, c'est humiliant, je vous assure. J'en ressors, mais vraiment choquée, parce que nous ne sommes pas des terroristes. Est-ce que nous avons l'air de terroristes, franchement? Nous étions menottés, nous étions assises, on nous a fait asseoir, on nous a menottés comme des vulgaires truands, comme des vulgaires assassins. On nous a menottés au poignet, alors qu'on ne présente pas de danger, je veux dire. On nous a pris nos affaires personnelles, on nous a pris tout. Et là, on est resté en garde à vue. Ensuite, on nous a fait rentrer dans la cellule, parce qu'au début, nous, on ne voulait pas enlever le foulard. On m'a demandé si je voulais rentrer, il fallait que je rentre de la cellule. Ils m'ont demandé d'enlever le foulard. J'ai dit non. Donc, on est resté quelques heures assis sur la chaise, moi et la sœur. Et au bout de quelques heures, on a rentré dans les cellules, on a rejoint les deux sœurs qui étaient déjà dedans. Donc, c'est une cellule, il faut le dire. C'est une cellule. Je ne connaissais pas les gardes à vue. Maintenant, je sais ce que c'est qu'une garde à vue. Donc, c'est une cellule de à peu près 5 mètres carrés.
avec deux matelas. Franchement, c'est indigne de la France de voir ces choses-là. C'est indigne d'un pays qui se prétend être la, une démocratie. Liberté d'expression. Liberté de parole, d'expression. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre garde à vue ? Bon, alors, la garde à vue, oui. Dès que nous sommes arrivés, il y avait donc le suivi. Nous sommes rentrés, suivi des CRS. Dès que nous sommes entrés en garde à vue, donc on nous a menottés au siège, assises menottées. Et devant, nous étions devant les cellules, il y avait des jeunes gardés à vue qui eux-mêmes ne comprenaient pas. Nous regardaient, et ils disaient, mais avec un air interrogateur, bon, qu'est-ce que ces dames font menottées en plus. Menottées devant, voilà quoi, devant tous les gens qui passent, tous les... Ensuite, suite à cela, les CRS nous ont fait des propos tendancieux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Ben, ils ont commencé à nous parler de la polygamie. Je crois que c'était pas qui n'a rien à voir avec le sujet. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Le sujet, c'est un rassemblement légal. Et ils ont commencé à nous parler de la polygamie. Ils rigolaient, quoi. Ils ricanaient. Ils voyaient des femmes menottées, assises. Donc, ils s'estimaient en droit de dire ce qu'ils voulaient. Ils faisaient aussi allusion à nos pays respectifs. Oui, parce que pour eux, dans nos pays respectifs, on n'a pas le droit de manifester. Donc pour eux, ici en France, il y a tous les droits. Mais les droits sont bafoués, même ici en France, ils sont bafoués, les droits. Après, à l'issue de la garde à vue, qu'est-ce qui se passe au bout de 24 heures? Qu'est-ce qui se passe après? Moi, je tiens à rappeler, ce qui m'a choqué et humilié, c'est que lorsqu'on m'a pris pour mon audition, ma deuxième audition, parce qu'on a eu quatre auditions, moi j'en ai eu quatre. La première audition, bon, c'était pour décliner son identité. On s'est soumis à toutes leurs demandes. Oui, franchement. Et la deuxième, alors un policier est venu et il m'a, en montant les escaliers, donc il m'a demandé pourquoi j'étais là. Donc j'ai dit pourquoi j'étais là. Et là, il m'a traité de conne. Excusez-moi le terme, je le dis, mais il m'a traité de conne. Vous êtes une, voilà. Je confirme. Donc, il me l'a dit deux fois. Il lui dit, monsieur, je vous respecte, respectez-moi. Il m'a dit, vous avez qu'à le faire, vous avez qu'à m'insulter, vous aussi. Je pense qu'il cherchait par là le fait que moi aussi, je le... Il voulait vous provoquer, en fait. Voilà, tout à fait. Il voulait me provoquer pour que je passe, moi aussi, je l'insulte. Ce que je n'ai pas fait. Je suis restée digne, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai absolument rien à me reprocher, si ce n'est que je ne peux pas rester insensible un instant à ce qui se passe à Gaza actuellement. Voilà, tout simplement. Et vous, les policiers vous ont également provoqué ? Je confirme, le même OPJ, je confirme, il m'a pris par les bras, m'a pris le bras et m'a forcé à monter les escaliers pour une énième audition. Sachant que ces auditions-là, pour mettre un peu plus de pression et de suspense, quoi, dès lors qu'on entrait dans la pièce, ils faisaient appel à d'autres collègues pour nous déstabiliser. Ils faisaient appel à d'autres gardés à vue pour nous déstabiliser, pour nous humilier encore plus devant les autres. Et donc avec des paroles, ils exultaient, quoi, en fait. Ils exultaient à nous lancer des paroles. Après, on vous a demandé de vous prendre en photo. Oui, ce que j'ai refusé, ce que nous avons refusé. Parce que Vous avez notamment demandé d'enlever votre voile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez donc refusé ? Nous avons refusé. En fait, on n'a pas refusé, on l'a refusé avec un homme. Avec un homme, en fait, voilà. On a demandé à ce que ça soit une femme. Si c'était une femme, on se serait soumis avec volontiers les empreintes avec une femme. Ils appellent ça la signalisation. Vous voyez, j'ai appris des termes en étant en garde à vue. Donc la signalisation devait être faite par un homme et donc on a refusé. Moi, j'ai refusé, la sœur a refusé. Vous aussi, vous avez refusé, ouais. Moi, j'ai refusé parce que je pars du principe que je n'ai rien fait. Mm-hmm. Je ne suis pas une criminelle. Je n'ai pas à être prise en photo comme si j'avais fait un délit ou commis un crime. Prendre mes empreintes, donc moi, j'ai refusé. Voilà, je n'ai rien fait. J'ai maintenu. Mais je m'ai tenu ça jusqu'au bout. Après la TFA, vous avez été présenté devant le délégué du procureur. Oui, tout à fait. Au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures, oui, effectivement. Il faut le dire, on s'est trouvé. C'est la période du ramadan déjà. Tout ça, vous étiez en alors, le dimanche soir, on a dû avoir quelques verres d'eau.
tout. Tout ce que vous avez rompu de jeûne avec, Des verres d'eau. Seulement des verres d'eau. Alors que certaines personnes attendaient dehors, ils ont proposé à nous donner des dates, les personnes qui nous attendaient dehors, ceux qui étaient avec nous en manifestation. Ils ont refusé, la police a refusé de nous donner des dates. Ils ont proposé à nous donner juste quelques... Alors qu'ils savaient parfaitement que vous jeûniez. Tout à fait, parce qu'on leur demandait, on regardait le ciel, on avait un petit bout de ciel, on regardait... Et il y a des moments où on leur demandait si c'était quelle heure il était, voilà. Pour rompre le jeûne. Voilà. Voilà. En fait, on n'avait aucun comment dire ça. On perd la notion du temps. On perd la notion aucune du temps. Aucune information en termes d'horaire. Oui, d'horaire, de rien du tout. On perd la notion du temps. Donc le dimanche soir, on a bu de l'eau. Et moi, les quatre, on se demandait comment on va pouvoir supporter le lendemain sans avoir mangé, sans avoir eu quelque chose à manger. Mais alhamdoulilah. Vous avez pu supporter une deuxième journée. Oui, tout à fait. Ça dure. Et les deux sœurs sont parties au bout de 24 heures de garde à vue. Nous, on a été retenus. Juste, le motif était que parce qu'on n'acceptait pas la signalisation faite par un homme. Et le lundi soir, à ce moment-là, on a eu droit à une brique de jus d'orange avec deux petits biscuits dans un sachet. Et j'avais réclamé, j'avais demandé, moi, s'ils avaient du café, s'ils avaient un peu de pain. Ils m'ont dit que non. Rigoler. Voilà. Le lundi soir, on a dormi. J'ai pu quand même fermer un peu les yeux. Difficilement, mais quand même, j'ai pu fermer les yeux jusqu'à que j'entende, on dirait des cow-boys, vous savez, qui viennent. On dirait vraiment des cow-boys. J'ai eu l'impression d'être devant des cow-boys qui viennent et qui, avec leurs clés, avec leurs trousseaux, ils font du bruit tout de suite, subitement, dans la porte pour ouvrir. Ils ouvrent la porte et moi j'étais réveillée vraiment en sursaut. À 4h30 du matin, ils sont venus nous réveiller pour nous emmener à un autre poste de police, à un autre commissariat qui se trouve, c'est plus la sœur, je te rappelle où dans un autre arrondissement. Oui, c'est une avenue Mozart, c'est dans le 16e, mais la cellule était plus retirée. Il n'y avait même pas un gardien devant la cellule. On voulait aller aux toilettes, mais ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas là pour ça. Voilà. Ils nous ont emmenés là-bas parce que à côté, il y avait que des cellules. Une où il y avait des hommes, il y avait 7 individus dans 5 mètres carrés. 7 individus qui se sont bagarrés. Et donc, ils ont voulu faire la place. Et donc, nous, on a été menottés et emmenés dans une voiture de police pour aller dans ce commissariat. On est resté quelques heures. Et le matin, on nous a ramenés de nouveau dans le commissariat, à la PJ du 16e. Alors, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je retiens beaucoup d'humiliation. Je suis choquée. Je pensais que la France que j'aime, c'est pas cette. Mais moi, je m'aperçois que la France que j'aime, c'est pas la France que je croyais aimer. Je m'aperçois qu'il n'y a pas justement de droit de liberté d'expression. Vous êtes sentie vraiment humiliée? Ah oui, très humiliée. Je me suis sentie très, très humiliée. On a dormi sur des matelas sales, mais qui sentaient mauvais, de riz. Et vous, Nora? Moi qui dis à mon fils toujours de faire attention, de respecter la police, d'être un bon citoyen. Elle a 18 ans maintenant. J'ai fait tout pour qu'il soit une personne bien. Et je m'aperçois qu'en France, en fait, juste pour dénoncer, pour crier sa peine, quoi, de voir tant de... Oui, de porter une solidarité à l'égard des Palestiniens. Voilà. Il ne faut pas. Il faut que ça fâche. C'est un sujet qui fâche au point de se retrouver devant. On criminalise la solidarité à l'égard des Palestiniens. Exactement. Ah. En passant par des gardes à vue, par du mépris, des insultes, des propos islamophobes, la violence physique, j'en ai des traces encore. Mon médecin m'a constaté par certificat médical. Dans les cellules, l'odeur d'urine, on était à quatre, on dormait par terre, on était serrés, on essayait de se souder entre nous. Moi, je ne connaissais personne. Je connaissais personne, mais du coup, on s'est créé... On a créé des liens. Voilà, on a créé des liens. Donc, il n'y a pas d'hygiène, comme je vous disais. Et je disais des insultes islamophobes. On nous disait qu'on se cachait derrière notre voile pour, soi-disant, pour cacher nos... Je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire par là, mais il y avait des propos qui fusaient à droite, à gauche. Donc, on n'a pas dormi pendant 48 heures, ce que je disais.
les policiers faisaient du bruit exprès, mettaient leur portable au volume, à haut volume, et rigolaient. Et voilà, qu'on ne nous laissait pas dormir. Surtout que, comme nous deux, on avait refusé la photo, la signalisation. Donc ça a été de plus belle. Donc on nous a mis 24 heures de garde à vue supplémentaire punitive. Pour avoir refusé cette photo. Oui, pour avoir refusé cette photo. Du moment que je n'ai rien fait, je ne me sens pas l'obligation de faire la photo. J'ai rien, du début jusqu'à la fin, j'ai maintenu que je n'ai rien fait. D'ailleurs, je n'ai pas signé ni leur garde à vue, je n'ai pas signé quoi que ce soit. Donc, suite à mon refus de faire la photo, donc ça a été de plus belle. Ils ont mis à haute intensité les néons qui sont au-dessus des cellules pour qu'on ait bien chaud dans la cellule. Et nous laissaient pas, enfin, quand on demandait de l'eau, puisqu'il faisait chaud à l'intérieur, ça les gênait. Ils allaient soit à reculons, soit, vous voyez, ils nous faisaient attendre, ils nous faisaient macérer bien dans notre, excusez-moi l'expression, mais dans la sueur, dans notre puanteur. Des mères de famille devant des gardes à vue. Des gens, vous voyez, des jeunes. Il y avait des jeunes de l'âge de mon fils. Ces jeunes-là étaient révoltés. Ils frappaient dans les murs. Ils disaient, pourquoi? Ça peut être nos mères. Ils disaient aux policiers, est-ce que vous pouvez mettre vos mères en garde à vue comme ça? Surtout qu'ils avaient entendu pourquoi, la raison pour laquelle on était amenés en garde à vue. Et comprenez, c'était encore plus une injustice. Eux-mêmes étaient rebellés. Dans tout le commissariat, ça... Ils étaient vraiment indignés, quoi, de voir la raison pour laquelle vous avez été mis en garde à vue. Oui. Pour un simple rassemblement pour Gaza. Oui, ils ne comprenaient pas. On voyait dans leur visage, on se voyait à travers leur visage. Quoi. C'est hallucinant. Quoi. Oui, même aux toilettes, pour les toilettes, c'était un homme qui nous accompagnait. Il fallait faire vite fait. On urinait sur nous. On essayait un maximum, moi et les sœurs, de rester dignes et propres. On avait, en guise d'hygiène, on avait juste un petit lavabo, un verre, un gobelet. Avec ça, il fallait se laver, boire dedans. Et voilà. Et puis pour la prière, bon, on n'en parle pas. Donc, c'est pas un endroit propice. On nous a vraiment, vraiment, vraiment considérés comme des moins que rien. Merci à toutes les deux d'avoir eu le courage de témoigner après cette humiliation. Allez-y. Je peux dire que ça n'entachera pas. Vous êtes déterminée. Je veux dire que ces 48 heures de garde à vue, malgré toute l'humiliation, n'entachera pas ma solidarité avec ce peuple palestinien, avec Gaza, la meurtrie. Même chose pour vous. La même chose. Et j'ajouterai aussi que cette expérience, voilà, comme disait la sœur, nous a renforcés. Et je voudrais dire aux personnes qui partagent le même sentiment d'injustice face à Gaza, que peut-être pour la police, c'est une sanction, mais pour nous, non. Donc il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas avoir peur, au contraire. Il faut continuer. Comment expliquer ça? Il ne faut pas se laisser intimider. On est vivants, Dieu merci. Et au pire des cas, je préfère... On m'a toujours appris qu'il y avait des hommes qui étaient morts pour leurs convictions. Eh bien, je préfère mourir pour mes convictions que de mourir lâchement, comme un lâche. Quoi. Merci en tout cas à toutes les deux. Encore une fois, bravo pour votre courage. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.